بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، أيها المستفيدون من هذه الدروس، فضلا منكم وليس أمرا، أمرنا منكم المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. كما أطلب منكم تشجيعنا باللايكات ديالكم، وشكرا شكرا مسبقا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, enseignement, 5e année, enseignement fondamental. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM2, 5e année, enseignement. 5e année, enseignement fondamental. Leçon 9, les nombres fractionnaires, multiplication et division. Les nombres fractionnaires. La date Kassaria, Addal wa Al-Qism. Les objectifs de notre leçon aujourd'hui, c'est de représenter le produit et la division d'une fraction et d'un entier, d'un nombre entier, ou deux fractions. Voilà. Reconnaître l'inverse d'un nombre, résoudre des situations problèmes. Bien voilà toute leçon. Le professeur doit commencer par un calcul mental, c'est-à-dire un calcul rapide. Rapide en utilisant les ardoises, vous voulez. Alors, multiplication à trous. Multiplication à trous. C'est un exercice à trous. Le professeur écrit 42 égale des pointillés multipliés par 7. Alors, les élèves qui ont bien appris le tableau de multiplication vont répondre facilement. Donc, l'élève écrit quoi? 6 fois 7. Puis, il écrit 36 égale 9 multiplié par combien? L'élève écrit 4. Donc voilà un calcul rapide. Ça veut dire que l'élève, il a bien appris le tableau de multiplication. Maintenant, passons à la construction du concept. J'observe et je complète. 3 égale, alors 3 c'est un nombre entier, je peux l'écrire sous forme d'une fraction qui a 1 pour dénominateur. 3 ça veut dire 3 divisé par 1. Donc 3 sur 1. 8 est égal à 8 sur 1. 12 égale à 12 sur 1. La division par 1 est égale à le même nombre. 127 égale 127 divisé par 1. Donc voilà, j'ai transformé un nombre entier naturel sous forme d'une fraction pour dénominateur 1. Je peux écrire l'inverse d'une fraction en la renversant. قد نقلب على مقلوب الكسر باش نقلبو داك الكسر هذا. L'inverse de 3 sur 1 est égal à 1 sur 3. Alors 3 sur 1 c'est un nombre aussi naturel qui est égal à 3. Je peux l'écrire sous forme d'une fraction. 3 sur 1, l'inverse c'est 1 sur 3. L'inverse de 8 sur 5 c'est 5 sur 8. L'inverse. Le dénominateur devient le numérateur et le numérateur devient des numérateurs. Complète le tableau. Le nombre, l'inverse. Alors 4, qu'est-ce que ça veut dire 4? Ça veut dire 4 sur 1. Donc l'inverse, ça sera 1 sur 4. 17 est égal à 17 sur 1. Donc l'inverse, ça sera 1 sur 17. 1 sur 5 est égal à 5 sur 1. Et est égal à 5. 2 sur 3 est égal à 3 sur 2. 21 sur 4 est égal à 4 sur 21. Donc voilà l'inverse d'un nombre entier naturel ou bien d'une fraction. Un nombre entier naturel, je peux l'écrire sous forme d'une fraction qui a 1 pour dénominateur et je fais l'inverse. Bon, je termine l'explication sur le tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, j'utilise l'inverse d'un nombre. J'utilise l'inverse
d'un nombre quand je diviserai une fraction. Pourquoi je vais faire l'inverse? Et ça dit le qisma à la wahda kasra. Alors, ça c'est une remarque, c'est une définition. Je fais l'inverse quand je fais la division, quand je diviserai une fraction. Et ça dit le qisma, je fais l'inverse. 5 sur 4 divisé par 4 sur 3, donc j'écris l'inverse pour faire la division. Alors, ailleurs, multiplie 5 sur 2 par 3. C'est un produit. Une fraction par un nombre. Donc, le nombre, je peux l'utiliser sous forme d'une fraction qui a pour dénominateur 1. J'observe, puis je complète. Alors, 5 sur 2 multiplié par 3, c'est 5 sur 2 multiplié par 3 sur 1, qui est égal à 5 fois 3. Et 2 fois 1, ça veut dire que je multiplie les numérateurs de 1 et les numérateurs de 1 qui est égal à 15 sur 2. Donc voilà le produit. Calcul, 2 sur 5 multiplié par 10 sur 6. Donc je multiplie 2 par 10, je multiplie 5 par 6, je trouve 20 sur 30. Alors je simplifie, est égal à 2, multiplié par 5, multiplié par 2, ça veut dire 10. 5 multiplié par 6, ça veut dire 2 par 3. Alors je simplifie par 2, je simplifie par 5, et il reste 2 sur 3. Voilà. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà la règle. Pour faire le produit de deux fractions, il y a d'un nombre entier par une fraction, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Notabilité, je réduis. Je réduis les fractions quand je peux. Alors ici, après avoir effectué un produit, je peux réduire les fractions si je peux. L'exercice in amkana. In amkana. Voilà. Aya divise 4 sur 9 par 5. Donc ça veut dire 4 sur 9 divisé par 5. 5 c'est un nombre entier, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. J'observe, puis je complète. Alors 4 sur 9 divisé par 4. C'est 4 sur 9 divisé par 5 sur 1. Alors, j'écris 4 sur 9. La division devient multiplication et je fais l'inverse de 5 sur 1 qui est égal à 1 sur 5. Donc, 4 fois 1 sur 9 fois 5 qui est égal à 4 fois 45. Donc, voilà le quotient. Voilà le quotient de cette division-là. Pourquoi? Parce qu'on va... On a fait la division, c'est pour trouver le quotient. Le quotient carré. Je calcule 2 sur 3 divisé par 5 sur 4, qui est égal à 2 sur 3 multiplié par 4 sur 5, qui est égal à 2 fois 4, et 3 fois 5, ça va donner 8 sur 15. Donc 8 sur 15, 8 et 15, ce sont de nombres premiers, je ne peux pas les simplifier. Les salomakas et moucharak, donc c'est une fraction irréductible. Diviser un nombre ou une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc, les rythmatiques, A sur B, la première fraction, divisée par C sur D, est égal à A sur A sur B. La division devient multiplication et je fais l'inverse de C sur D qui est égal à D sur C. Donc, voilà la règle générale de la division d'une fraction par une fraction. Passons maintenant à l'activité aux activités de mathématisation. Je complète le tableau, le nombre, l'inverse du nombre. Nous avons 6, qui est égal à 6 sur 1, donc l'inverse sera 1 sur 6. 1 sur 4, l'inverse sera 4 sur 1, qui est égal à 4. 13 sur 4, l'inverse sera 4 sur 13. 3 sur 8, est égal à 8, l'inverse sera 8 sur 3. 1 sur 9, est égal à... L'inverse, c'est 9 sur 1. 1 sur 9, l'inverse, c'est 9 sur 1 qui est égal à 9. Est égal à 1. Cinquièmement, je calcule 6 sur 4 multiplié par 4. Donc, c'est un produit d'une fraction par un nombre. Je fais 6 sur 4 multiplié par 4 sur 1 qui est égal à 6 sur 4. Sur 4 multiplié par 1 est égal à 24 sur 4 qui est égal à 6. Hein? Je réduis, je fais la division. 24 divisé par 4 est égal à 6. 9 sur 2 multiplié par 1 sur 4 est égal à 9 sur 2 multiplié par 1 sur 4 qui est égal à 9 sur 8. Voilà le produit. 3 sur 4 multiplié par 3 sur 5 est égal à 3 fois 3 sur 4 fois 5 est égal à 9 sur 20.
5 multiplié par 9 sur 7, donc 7 est égal à 9, 5 sur 1, c'est un fraction, multiplié par 9 sur 7 qui est égal à 9 fois 5, 45 sur 7. Je calcule et je divise. Je calcule et je divise. Maintenant, achète-moi, achetez-y. Les fractions, pas trop ça. 4 sur 3 multiplié par 5 sur 6 est égal à 4 fois 6 sur 3 fois 5, qui est égal à 24 sur 15. Alors 24 est égal à 8 multiplié par 3, 15 est égal à 3 par multiplié par 5, je simplifie par 3, il reste 8 sur 7. 2 sur 5 multiplié par 9 sur 4 égale 2 fois 9 sur 5 fois 4. Alors 2, je simplifie 2 fois 9 sur 5 fois 2 fois. Alors 4 égale 2 fois 2. Donc je simplifie par 2, il reste 9 sur 10. 8 sur 7 multiplié par 3 sur 4 il égale 8 fois 3. 7 multiplié par 4. Alors 8 égale 4 fois 2. 4 fois 2 multiplié par 3. 7 fois 4 est égal à 7 fois 4. Alors je simplifie par 4 et il reste 2 fois 3, 6 sur 7. Voilà. La simplification. 5 sur 2 multiplié par 4 sur 10 égale à 5 fois 2, 4. Multiplié sur 2 multiplié par 5 multiplié par 2. Je simplifie par 2, je simplifie par 5, il reste 2 sur 2 qui est égal à 1. Problème, le Maroc produit environ 40 millions de kilowatts par heure d'énergie électrique, dont un cinquième est issu d'énergie renouvelable. Quelle quantité d'énergie est une énergie renouvelable? Alors, là, le problème, c'est une tige. On a 1 milliard de kilowatts par heure d'énergie. On a bien là, خمس ديال الطاقه المتجدده الذي ينتج طاقه متجدده كيف كونتيتي ديال ما هي قيمه او الكميه ديال الطاقه المتجدده رينوفابل هي 40 مليار ملتيبلي بار 1 سور 5 كي ايكال 40 سور 5 كي ايكال 8 مليار اذا هنا الطاقه المتجدده هي 8 ديال المناي 8 ديال المناي اذا فوالا لا فان دو نوتر لوسون جوردي جيسبر كي فوز ابي بيان اسيميلي لو كونتوني دو نوتر لوسون. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour moi.